Voilà, bonjour Marc. Bonjour. Content de te Comment ça retrouver puisque Pascal? ce n'est pas effectivement la première fois que tu as l'occasion d'échanger avec moi et avec d'autres, entre autres sur ton propre parcours. Mais aujourd'hui, nous souhaitions parler, je dirais, d'un sujet sensible mais qui paraît effectivement essentiel et que nous avons intitulé L'emprise de l'Église catholique. Alors, avant d'aborder ce sujet, Marc, je souhaitais évidemment que tu nous rappelles un petit peu d'où tu parles, c'est-à-dire qui étais-tu, entre guillemets, en termes de fonction. Et puis, tu es devenu, je pense, un lanceur d'alerte. Et donc, c'est intéressant de savoir un petit peu ton parcours et les raisons pour lesquelles tu as pris cet engagement essentiel. Merci Pascal de me donner la parole. En effet, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir plus sur mon parcours personnel. Et en effet, donc j'ai été prêtre du diocèse de Saint-Denis pendant 17 ans. Cette vocation, entre guillemets, entre triple guillemets, si j'ose dire, est née alors que je me préparais à Sciences Po. Et c'est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, je me suis souvenu de ça ce matin. Pourquoi je me suis préparé à Sciences Po? Parce que j'avais lu un livre qui m'avait frappé, pratiquement un chapitre d'un livre d'Hannah Arendt qui s'appelle La crise de la culture. Et dans ce livre, il y a un petit chapitre très, très dense et très important qui s'appelle la crise de l'autorité, où Hannah Arendt commence à parler d'un pouvoir. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pouvoir d'autorité juste et un pouvoir totalitaire? Et ça me rejoint aujourd'hui d'une certaine manière. C'est pour ça que c'était intéressant. Je me rappelle de ce livre. Donc j'ai été prêtre pendant 17 ans dans l'Église catholique. Et puis j'ai vécu un long parcours d'emprise hein, dans cette église, et notamment de la part d'un prêtre. Et j'ai essayé de trouver la porte de sortie. Comme me disait Pierre Vignon, je crois qu'il est déjà intervenu sur ta chaîne. J'ai essayé de trouver comment sauter du train en marche, quoi, voilà. Et puis c'est une rencontre amoureuse hein, qui a permis ça. C'est la rencontre d'Ingrid en 2018. Et puis donc j'ai quitté l'institution officiellement en 2021. Le 10 mai 2021, mon évêque me recevait dans son bureau et me signifiait par un acte d'autorité ma suspense ad divinis parce que j'avais osé faire un podcast anonyme. Donc on voit bien l'abus de pouvoir se dessiner, un podcast anonyme où je parlais de cette rencontre amoureuse et de ce que ça a changé dans ma vie et ce que ça allait changer dans ma vie future. Le jour même, donc j'étais aussi enseignant en théologie, parce que je suis docteur en théologie. J'étais enseignant en théologie à l'Institut catholique de Paris. Le jour même, je signifie à l'Institut catholique de Paris que j'ai été suspendu ad divinis et je suis exclu de l'Institut catholique de Paris où j'étais maître de conférence ce jour même. Et donc, je me retrouve sans rien, on va dire, et je me retrouve à Pôle emploi. Et là, à Pôle emploi, quand on m'interroge sur mon statut, je dis bah, je suis prêtre, et on me dit bah, on ne peut pas grand-chose pour vous, hein, parce que, étant donné que votre institution ne cotise pas au chômage, eh bien, vous n'avez le droit à aucun droit. Donc là, me saute à la figure le fait qu'en effet, je ne suis pas un citoyen français comme les autres citoyens parce que j'ai été sous une emprise, voilà, il faut le dire, institutionnelle de l'Église, alors que le jour où je veux changer d'état de vie, eh bien, je n'ai plus aucun droit. Alors l'Église essaye de transiger avec
avec quelque chose dont elle est certainement un peu honteuse, puisque pendant quelque temps, elle continue à me verser mon traitement de prêtre, jusqu'à un jour arbitrairement où je reçois une lettre de mon évêque en disant que ce que l'Église me verse est arrêté et tous les droits afférents. Hein, donc je ne suis plus membre du régime social des cultes, et là commence une autre démarche administrative compliquée. Que de pouvoir être affilié au régime général. Et voilà, je découvre que j'ai pas de compte personnel de formation, la difficulté justement à pouvoir me reconvertir, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui est licencié ben, de son entreprise, eh ben, il va faire jouer son compte personnel de formation pour refaire une formation, pour pouvoir trouver une voie de reconversion. Moi, j'ai pas ça. Faut que je me débrouille par moi-même. Voilà. Et je monte mon entreprise. Voilà, je monte mon entreprise de conseil en organisation. Et là aussi, j'ai des obstacles, quoi, parce que aujourd'hui, en France, ben, les demandeurs d'emploi indemnisés ont des aides à la création d'entreprise. Et ben, je ne peux pas avoir ces aides à la création d'entreprise. Donc, on voit bien, je donne ces exemples pour montrer jusqu'où va l'emprise de l'Église et l'impossibilité pour certains. Alors, pour moi, je dirais que j'ai eu des ressources. Personnel pour pouvoir le faire, mais pour certains d'en sortir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai décidé d'être un lanceur d'alerte et de m'engager pour que les gens sachent déjà, parce que la plupart à la fois des fidèles pratiquants et des citoyens français ne savent pas que, par exemple, un prêtre est exclu du contrat de travail, est exclu des droits sociaux ordinaires de tout citoyen français. Et puis même aujourd'hui, les politiques français semblent vouloir ignorer ce problème. Et là, on pourra peut-être revenir sur les raisons de cette ignorance plus ou moins volontaire. Tout à fait. Merci Marc pour cette introduction par rapport à par rapport à ton parcours. C'est vrai qu'on va évidemment parler de l'emprise, à toute la difficulté qui est de savoir quelque part où elle commence exactement, où elle termine, et de savoir si l'emprise quelque part c'est quelque chose, je dirais entre guillemets, comme une sorte de fait divers, ou si quelque part évidemment il y a un terreau. J'ai envie de dire consubstantiel, qui permet précisément à cette emprise d'œuvrer à différents niveaux et à des niveaux, j'ai envie de dire, tellement, tellement subconscients quelque part qu'elle finit cette emprise par passer inaperçue, d'où l'intérêt quelque part de venir creuser, j'ai envie de dire, et de parvenir un petit peu à ce qu'est l'emprise et d'où elle démarre. Et je voudrais peut-être précisément pour démarrer cet échange, partir, tu le disais tout à l'heure, tu parlais d'Anna Arendt, mais je suis tombé sur un article qui paraissait intéressant de mars 2023. C'est un texte élaboré par Anne Lécu à partir de l'exposé de Jean-Pierre Jougla, qui est délégué de la cellule de lutte contre les dérives sectaires dans l'Église catholique. Lors d'une rencontre à Leipzig en novembre 2020. Et à l'entame de cet article, en fait, il y a un propos de Hannah Arendt, le système totalitaire, justement. Ce que le sens commun et les gens normaux refusent de croire, c'est que tout est possible. Et effectivement, il faut creuser ce tout. Tout est possible, malgré le fait qu'a priori, on a l'impression que par rapport à l'Église, il ne s'agit pas en tant que tel d'un système totalitaire. L'article dit notamment ceci: l'importance de se focaliser uniquement sur la doctrine des groupes à caractère sectaire se revendiquant comme chrétiens n'est pas suffisant, mais sur le processus de l'emprise, car c'est l'emprise qui permet toutes sortes d'abus. L'emprise, tant au niveau du processus psychologique qu'au niveau systémique et structurel, explique seule ce qui a permis les abus divers commis dans les groupes catholiques déviants. Mais les victimes sont trop souvent impuissantes à mettre des mots pour comprendre ce qui leur est arrivé. Pourtant, aucun des abus, aucun des viols de femmes, d'hommes ou d'enfants, aucune atteinte au bien ou à la personne n'aurait été possible sans une mise en état d'assujettissement, car ils ont été commis à l'insu de la victime. Le rapport Sauvé, qui a souligné cette particularité, doit amener chacun à s'interroger sur l'existence de l'emprise, et plus particulièrement dans des mouvements abusifs, sur l'emprise de nature sectaire.
Alors, de fait, j'ai envie de dire, du coup, où commence l'emprise, où elle termine et quel est précisément derrière tout ça, ce terreau qui favorise l'emprise, j'ai envie de dire, à notre insu même. Alors, peut-être que pour commencer, je pense qu'il y a beaucoup de travaux aussi psychanalytiques qui ont montré que l'emprise, c'est un jeu de prise réciproque qui, au départ, est un jeu sain hein, entre l'enfant et la mère, et puis le père aussi a son rôle, hein, c'est-à-dire on se jauge, on se voilà, et on appartient au départ l'un à l'autre d'une certaine manière. Et peu à peu, eh bien, la mère et le père vont travailler à une autonomie de l'enfant pour qu'il puisse devenir ben, autonome, libre, un être responsable. Voilà. Or, l'emprise déviante, hein, celle qui veut l'enfermement du sujet, l'assujettissement, hein, comme on vient de le dire, elle va passer par finalement l'idée que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à l'autre. Et si on parle d'emprise institutionnelle, sectaire, eh bien c'est parce que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à l'institution. Et il y a une compréhension de l'obéissance dans l'Église catholique en particulier qui est totalement déviante à mon avis parce que c'est une obéissance qui joue sur des leviers totalitaires justement. Arendt a bien montré qu'il y avait trois grands leviers hein, du pouvoir totalitaire, la terreur. C'est-à-dire la peur du péché. Alors, on va insister sur la peur de ce qui est, ce dont nous ne sommes pas totalement fiers en nous, un manque de confiance en soi, hein. C'est pour ça que l'âge de l'adolescence va être un âge de l'emprise. Moi, en ce qui me concerne, c'est à l'adolescence que ce prêtre vient commencer à mettre sa patte sur moi. Parce que oui, c'est l'âge où il y a ce manque de confiance en soi. Et donc, si on appuie sur le péché, ben voilà, l'Église, elle va te sauver de cette part sombre que tu as en toi, et elle va te donner finalement toute la solution à ce manque de confiance en toi. Et on va tout organiser pour toi. C'est-à-dire que maintenant, tu vas rentrer dans un groupe de réflexion. Et puis, le chemin, il est balisé, en fait, pour rentrer dans cette emprise. Et ça, c'est la deuxième caractéristique du pouvoir totalitaire selon Hannah Arendt, c'est empêcher tout acte imprévu, libre et spontané. C'est-à-dire, il n'y aura plus, à partir de là, d'acte imprévu possible, libre et spontané. Un clerc ne peut pas tomber amoureux. Un clerc ne peut pas envisager quelque chose de spontané. C'est-à-dire que tout est balisé. Votre agenda, tout est fait pour que votre agenda soit balisé. Tout est fait pour que vous ayez un petit groupe un groupe de vie, de prêtres avec lesquels vous vous retrouvez. Il y a un contrôle interne qui se joue entre prêtres, voilà. Et puis le troisième levier selon Hannah Arendt, c'est le fait de désigner les ennemis du groupe. Et c'est un principe sectaire aussi, c'est que bah en fait il faut évangéliser le monde qui part à sa perte, et donc vous êtes des serviteurs de cette évangélisation. De ce monde qui part à sa perte, vous êtes et donc vous avez un statut qui vous est conféré et bah, celui qui n'avait pas confiance en soi devient très vite un personnage très important parce qu'on lui demande de sauver l'humanité. Et voilà, si je reprenais ces trois éléments dans mon parcours personnel, ils sont présents, c'est-à-dire et l'emprise, elle se met en place ben, par des choses très concrètes qui vont, voilà, moi,
On m'a donné une responsabilité auprès des jeunes du diocèse, ensuite responsabilité de la formation. On cherche toujours à vous conférer une responsabilité qui fait que vous n'allez pas penser aller ailleurs que dans cette institution où on vous donne un statut. Et alors le statut clérical et le statut, je voudrais dire, sacerdotal est d'autant plus important. On le voit bien aujourd'hui à travers les signes visibles de ce statut que recherchent des jeunes prêtres, le port de la soutane, c'est l'identité du prêtre sauveur de l'humanité qu'il porte sur lui visiblement. Et donc, pourquoi se laisser aller à des actes libres et spontanés qui pourraient me donner l'idée d'aller ailleurs? Et c'est vrai, Marc, que les réseaux sociaux permettent aussi d'amplifier ce rôle du prêtre et ce côté apparence et apporter le salut aux âmes, parce que ça permet évidemment une diffusion maximale en quelques minutes. Mais il y a aussi quelque part un paradoxe, parce que c'est vrai que, évidemment, moi j'ai en tête cette fameuse phrase, ce fameux adage hors de l'Église, point de salut, de Cyprien de Carthage, je crois que c'était au IIIe siècle. Et en même temps, évidemment, l'Église, même si c'est relativement récent, ne manque pas de nous rappeler également la liberté de conscience. Donc, quelque part, ultimement, on devrait agir selon sa propre conscience. Et en même temps, on a comme cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est cette doctrine qui nous a rappelé sans cesse. Donc, ça fait quand même un peu entrer en confusion, parce qu'on se dit comment mettre bout à bout, comment concilier la liberté de conscience avec la doctrine de l'Église, par ailleurs, qui peut heurter notre liberté de conscience. Alors, on a l'impression un peu que la liberté de conscience, elle n'est possible que dans la mesure où précisément, elle se met libre vraiment le dire au service de la doctrine, ce qui est quand même assez paradoxal. Oui, et en fait, l'Église a dû adapter aussi en permanence sa logique d'emprise à l'individu aussi moderne. C'est-à-dire que l'individu moderne, c'est celui qui commence à avoir une conscience de sa liberté propre, une conscience que il appartient à lui-même et qu'il peut décider par lui-même. Et donc, enfin, c'est ce que la modernité vient introduire comme évolution. C'est-à-dire, vous pouvez vous soumettre au lieu de vous soumettre à des autorités externes, et vous pouvez essayer de vous soumettre à votre conscience interne. Et rechercher ce qui est bon pour votre confiance. Et on voit bien que l'Église essaye de jouer en permanence, de s'adapter à cette nouveauté, alors tant bien que mal et de plus en plus difficilement, j'oserais dire, en essayant de conférer un statut à ces personnes qui les empêchent de mettre en œuvre cette liberté propre. Je prends un exemple aujourd'hui que je vois, c'est-à-dire la question de l'homosexualité dans l'Église. Vous avez aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le défi auquel essaye de se confronter ce pouvoir, des gens dans l'institution qui disent je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à dissimuler mon homosexualité, y compris chez des clercs aujourd'hui, au sein de l'Église, et de devoir vivre dans un clivage permanent entre mon désir, mon orientation et mon statut clérical. Et donc, que fait l'institution? Elle essaye, elle verrouille à nouveau, elle verrouille par des décrets. En disant ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, pour maintenir finalement cette emprise. Et voilà. Et donc plus elle va voir que l'autonomie cherche, que l'individu cherche à acquérir son autonomie, plus elle va essayer de verrouiller. Mais de verrouiller intelligemment, et on voit bien tous les débats qu'il y a en ce moment sur l'interprétation de ce texte sur la bénédiction des personnes homosexuelles. Parce que ça, la vraie question, elle se joue à l'interne, finalement, de l'institution, c'est-à-dire la question qui a été souvent soulevée de la déplacardisation des homosexuels au sein de l'institution.
Tu prends là un exemple, effectivement, marque d'actualité par rapport à la bénédiction ou non des homosexuels séparément ou en couple. C'est encore discuté, effectivement, et on voit effectivement dans le clergé africain, ils ont évidemment, ils sont contre, évidemment, ces bénédictions. C'est un des exemples parmi d'autres qui vient évidemment rappeler quelque part aussi, derrière tout ça, la doctrine intangible. Donc, on est toujours dans la distinction doctrine et pastorale, donc la miséricorde même aux pécheurs, parce qu'on parle effectivement toujours de situations irrégulières, parlant évidemment sexuelle. C'est pas une intégration pure et simple d'homosexuels dans l'Église. Donc, c'est quand même toujours en termes de péché que les choses se jouent. Mais si on veut de coup, non pas simplement partir d'un exemple d'actualité, mais remonter de nouveau à la source de l'abus. Est-ce qu'on n'en vient pas finalement précisément à la doctrine même de l'Église, quelque part, qui foncièrement, fondamentalement, se rattache à cette question, j'ai envie de dire, originelle pour le coup, qui est le péché originel, qui permettrait en fait de comprendre la raison pour laquelle l'être humain est mortel, parce qu'il y aurait précisément le péché d'Adam et Ève, et que toute la doctrine de l'Église s'est constituée autour de ce péché, et autour du coup de la nécessité de sacrifier sa propre vie pour espérer le ciel. Donc là, on est quelque part dans une sorte d'imaginaire collectif, un imaginaire religieux, et si on y adhère, ben de fait, naturellement, toute sa vie doit se conformer à cette doctrine originelle. Donc, est-ce que l'abus foncièrement ne vient pas précisément de ce dogme-là? Oui, et puis il faut voir comment il s'est constitué. Puis il s'est constitué, on peut dire. La question, c'est est-ce qu'il s'est constitué originellement ou est-ce qu'il se constitue particulièrement au IVe siècle sous l'égide de Saint-Augustin mais en tout cas, on voit bien, en effet, que cette doctrine du péché originel, c'est la manière dont un pouvoir va verrouiller la conscience individuelle et va la verrouiller en orientant toute l'action de l'individu à partir d'une conscience de sa pauvreté humaine. Et on voit ce que ça va impliquer. Plutôt que de l'orienter à partir de son désir interne d'une vie accomplie. Et on le voit encore aujourd'hui dans la manière dont l'Église fait des convertis. Je me suis un peu intéressé à ces jeunes convertis. C'est-à-dire souvent des jeunes adultes qui viennent. Qui viennent frapper, ou plutôt qu'on va chercher. Et d'ailleurs, l'Église se gargarise beaucoup aujourd'hui des chiffres, parce que comme les chiffres des baptêmes d'enfants sont assez dramatiques, bah on va chercher les statistiques des baptêmes d'adultes. Et alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui serait intéressant encore plus, c'est de faire un peu une étude psychosociologique de ces jeunes adultes voilà et la plupart du temps on voit bien que ça se fonde sur un terreau de déception, de conscience de quelque chose qui n'est pas accompli en soi et de fait c'est là que la doctrine du péché originel et ses traces contemporaines qui demeurent, ben vient appuyer, mais ne te pose plus de questions, c'est-à-dire que tu es dans le lieu de la rédemption, de tout ce qui t'empêche d'être vraiment heureux et d'être vraiment accompli. Ce qui t'empêche, c'est cette trace, hein, c'est cette sombre trace du péché en toi, et nous allons la travailler, et c'est là que d'ailleurs toutes les portes des abus s'ouvrent, hein, des abus de pouvoir, mais aussi des autres, hein, des abus spirituels et des abus sexuels, sont entrés là, dans cette faille-là, plutôt que de laisser l'individu, et l'individu moderne a commencé à comprendre, heureusement,
que sa vie accomplie, c'est celle de, bien, il me semble, de l'accomplissement de son désir interne et de ce désir interne qui joue aussi dans toutes les relations de sa vie, les relations aux autres et aux vivants. Mais voilà. Et Mais donc, là, on voit bien, entre guillemets, Marc, quand tu parles comme ça, qu'il y a évidemment un point de rupture, je dirais, entre le salut proposé par l'Église et évidemment notre propre désir, qui est un désir d'autonomie, de réalisation de soi, qui est perçu évidemment par l'Église comme étant quelque part non prévu par le plan divin tel que l'Église le propose et souhaite soumettre les âmes. Parce que finalement, la doctrine de l'Église, elle est évidemment quand même fondée sur la loi dite naturelle et la parole de Dieu. Donc évidemment, toute la doctrine de l'Église se fonde de fait sur ce qui est soi-disant naturel, et donc puisque c'est naturel, il faut s'y conformer, et il faut s'y conformer parce qu'en réalité, tout ce que l'Église est censée dire est tiré du terreau même, j'ai envie de dire, de la parole de Dieu, qui est l'Évangile, texte sacré. Donc là, évidemment, c'est aussi une façon quelque part de verrouiller, je dirais, l'enseignement et la manière du coup par rapport aux croyants de se positionner. Sa liberté de penser quelque part, elle est du coup, je dirais, manipuler et sa façon d'agir encore plus, puisqu'il est censé effectivement se conformer à la doxa catholique. Mais ce qui est important du coup de rappeler, parce que l'Église se prétend toujours évidemment parole de Dieu, elle se prétend évidemment sacrée, elle prétend tirer ses enseignements de l'Évangile. Est-ce que tu pourrais justement précisément nous rappeler quelque part que le christianisme ne sort pas forcément de l'Évangile, c'est pas forcément effectivement l'Esprit Saint qui est le garant du christianisme. Donc quelque part, revenons terre à terre, si je puis dire, et quel est le terreau qui a rendu propice le développement du christianisme tel qu'on le connaît au XXIe siècle? En fait, je pense qu'il faut revenir, comme tu le dis, à voir que l'Église est un magnifique organisme de contrôle du désir humain qui a réussi, sur la base du fait d'avoir du pouvoir, c'est pouvoir contrôler ce désir humain. J'oserais dire que tous ceux qui voudraient avoir un pouvoir sûr rêve de cela. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'Église étant admirée parfois du monde politique, parce que elle a réussi pendant des siècles au moins en cela. Le terreau, c'est celui d'un pouvoir qui. Alors, très, très, très prosaïquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça se constitue sous l'Antiquité. J'essaye d'y revenir en particulier. On voit bien que l'Église a commencé à comprendre qu'il faut avoir un pouvoir sur le récit. Parce que ce qui fait la collectivité, c'est un récit commun, intelligible. Et donc, à l'époque, le récit, il est plutôt marqué par des figures, des personnages païens, Apollon et autres, qu'on va invoquer et pour montrer que l'action humaine est efficace parce qu'il y a ces interventions divines. Et donc ça, l'Église l'a compris très vite. Et donc, il faut manipuler le récit. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est le grand public souvent ne le connaît pas, c'est ce récit de la victoire de Constantin sur Maxence à Rome, la victoire dite du pont Milvius, qui au départ est racontée de manière païenne. Donc, c'est le dieu soleil qui intervient et qui permet aux armées de Constantin de vaincre les armées de Maxence. Et puis, peu à peu, on a un certain nombre d'évêques, voilà, un Ossius de Cordoue, Eusèbe de Césarée, qui ont compris, qui ont très bien compris que avoir le pouvoir, c'est avoir la main sur le récit et qui vont transformer ce récit. Le dieu soleil, c'est le dieu chrétien. Et puis en plus, il y a un bouclier avec le chrisme qui apparaît sur les armées de Constantin. Et donc, on va faire en sorte que le récit chrétien, voilà, au départ,
Il y a peut-être un certain Jésus qui a peut-être une intuition en Palestine au 1er siècle, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que il y a surtout un récit qu'on va constituer pour montrer que c'est le récit dominant de la conduite du désir humain. Et peu à peu, on va organiser ce récit et on va lui donner une forme organisée pour que ce récit investisse la vie totale des citoyens de l'Empire romain d'Occident. Et voilà, et quand on dit la vie totale, on peut aller jusqu'au Concile de Trente où votre vie totale, c'est d'aller voir le confesseur et de lui avouer vos péchés. Et donc, c'est le pouvoir du clerc, là, c'est un pouvoir du contrôle du désir humain parce que vous devez lui avouer vos péchés. Et puis, il a en plus un pouvoir sacré parce qu'il peut vous autoriser ou pas à recevoir la communion, le pouvoir de la communion ou de l'excommunication. Hein, l'excommunication pendant des siècles quand même, c'est une exclusion de la vie sociale quand même dans l'Occident chrétien. Donc, c'est pas aujourd'hui. Moi, ça me ferait pas grand-chose d'être excommunié socialement. Mais fut un temps, c'était quand même très douloureux, quoi. Il faut se rappeler ça. Donc c'est un pouvoir, un organe de contrôle des désirs humains. Et c'est ça qui est en train de se craqueler, mais, et je mets un triple mais, hein. Le pouvoir ecclésial est encore très fort et pour ne pas sortir et pour ne pas faire en sorte que l'individu puisse, moderne, puisse acquérir sa vraie liberté. Ce qui est terrible, finalement, filigrane de ce que tu dis, c'est que ça devient très compliqué de faire le départage entre ce qui relève de l'Église, de l'institution, et ce qui relève quelque part du Jésus de l'histoire. On a quelque part un problème à faire, j'ai envie de dire, historiquement, pour le coup, une continuité en ce que ce Jésus qui, en fait, n'a rien écrit. Et donc les textes dits sacrés eux-mêmes ont été écrits souvent des dizaines d'années après, et tous les textes ne sont pas effectivement univoques. Et puis tout ça est interprété, et on a le canon, mais il y a d'autres textes qui n'ont pas été repris par l'Église parce que ils étaient peut-être trop libres par rapport effectivement à ce que l'Église voulait promouvoir. Donc on voit bien que in fine, il reste pas grand-chose si on essaie de retourner aux sources. Et en même temps, l'Église, mais aussi les fidèles, très souvent, quand ils sont quelque part en porte-à-faux avec les enseignements de l'Église, n'arrêtent pas de dire Jésus n'aurait pas voulu ça, Jésus n'a pas dit ça, ce n'est pas la volonté de Jésus, Jésus aime tout le monde, et donc quelque part, on parle au nom de Jésus, on parle au nom de Dieu pour dire finalement le bien et le mal, pour dire il faut intégrer les homosexuels ou il faut les exclure. Donc ça engendre une confusion absolument phénoménale aussi, cette façon de penser. Ah, c'est ça, je voudrais dire le pauvre Jésus, c'est-à-dire le Jésus, c'est un peu le prédécesseur de Constantin, quoi. Il a peut-être dit quelque chose, si tant est qu'il existait quelque chose à son voisin ou à quelqu'un qui passait par là, et puis surtout, on a transformé, enfin, on a fait que ce récit devienne un récit dominant. Et en effet, on arrive à des choses totalement aberrantes, puisque on nous dit que, puisque Jésus, par exemple, hein, quelque chose qui... puisque Jésus a été célibataire, il faut que le prêtre soit célibataire. Donc, on en vient à des aberrations intellectuelles. Et ça, c'est le pape qui a dit ça il y a un mois à des séminaristes à Rome. Hein, donc, c'est quand même, d'un point de vue de la rationalité humaine, c'est quand même c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que, en effet, on va construire un récit à partir d'une figure qui a vocation à être un récit dominant sur la vie des individus. Et donc, on va à chaque fois se référer à ce récit pour dire ça c'est bien, ça c'est mal,
Ça vous ne pouvez pas. Leclerc doit être ainsi, il ne doit pas être comme ça. Le fidèle, il doit se mettre à genoux plutôt que debout. Voilà, et donc, enfin, je ne sais pas comment dire autrement qu'il y a une forme de délire, une forme de délire collectif, mais c'est peut-être ça une marque de l'emprise sectaire, c'est qu'à un moment donné, il y a une acceptation collective de cette logique de contrôle. Et je le dis d'autant plus librement que je l'ai accepté, moi, pendant 17 ans. J'en ai fait partie de ce collectif délirant parce que j'ai accepté sans suffisamment de raisons critiques. À la fois de me soumettre et d'être aussi d'une certaine manière parfois le promoteur de positions dogmatiques appuyées sur un récit dont je n'interrogeais pas la constitution historique de ce récit. Alors, heureusement, il y a eu quelques figures au XXe siècle qui ont commencé à instruire le dossier historique de la constitution de ce récit, mais moi je vois des reculs parce qu'aujourd'hui on a des clercs qui disent c'est écrit comme ça dans l'écriture, donc voilà, enfin c'est la lecture fondamentaliste en catholicisme n'a jamais été aussi belle, parce que maintenant, comme on le disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on peut balancer n'importe quel type de position dogmatique, c'est-à-dire que le dogme n'est plus simplement entre les mains du magistère ordinaire des évêques et du pape. Quelques jeunes clercs ayant un téléphone portable et sachant parler sur les réseaux sont capables de faire du dogmatisme qui a vocation à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire à des fidèles. Et donc, c'est. Malgré ces quelques figures de la déconstruction historique de ce récit, eh bien aujourd'hui on est plutôt dans le recul. C'est un peu tout le paradoxe de la démocratie qui permet effectivement la libre critique et en même temps qui permet la parole, fût-ce des paroles fondées sur des récits mythiques. Et donc on en arrive toujours, comme tu le dis, quelque part à être imprégné d'une sorte de délire collectif. Mais on a fait partie du système, évidemment, qui ne remonte pas à hier non plus, ce système chrétien. Donc c'est fou de se dire aussi que du coup, il faut un temps considérable pour démonter, j'ai envie de dire, la mécanique, pour le coup de l'emprise. Et on voit très bien que sur base des mêmes textes, finalement, l'Église a légitimé un temps l'esclavage, elle a légitimé un temps l'inégalité complète entre l'homme et la femme devant être soumise à l'homme, donc la femme devant être effectivement au service de l'homme, mais de l'Église de manière générale aussi. Donc on voit bien qu'il y a eu une asymétrie voulue par l'Église sur base de textes et que les droits humains eux-mêmes, évidemment, l'Église y a été extrêmement opposée et donc à la liberté de conscience. Proprement dite également. Donc, c'est toute la question aussi, c'est de se dire la difficulté quelque part maintenant si, qu'on pourrait aborder, c'est le fait que on est dans une société laïque, sécularisée. En même temps, la liberté de religion fait partie de textes fondamentaux, notamment la Constitution des droits de l'homme en son article 9. Avec la liberté de conscience, il y a la liberté de religion. La séparation des pouvoirs en démocratie est extrêmement importante pour justement éviter que le religieux ne vienne s'immiscer dans la sphère sécularisée, de la société sécularisée et de la législation civile. Et en même temps, les deux s'interpénètrent continuellement. On le voit bien justement avec évidemment la question de l'avortement, la question de la contraception, de l'euthanasie, tout ce qui est des débats éthiques. Chaque fois, l'Église, notamment en France, monte au créneau. Donc, on dit d'un côté, de nouveau, sous base des textes, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en même temps, c'est plus fort que l'Église. Elle a besoin évidemment, quelque part, de mettre la mainmise sur les consciences. Et donc,
Comment expliquer et comment faire en sorte finalement de mettre fin à cette collusion qui va un peu dans tous les sens, du civil au religieux, du religieux au civil, les uns ayant besoin des autres finalement. Comment toi tu perçois cette situation-là? Alors, moi, je vois qu'il y a quelque chose de... Enfin, si on veut dépasser cette question de la séparation des sphères et des pouvoirs, on voit bien qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est la protection de citoyens français à l'égard d'abus de pouvoir de ces institutions. Et là, il y a encore énormément de travail, et j'oserais dire que c'est un travail qui doit se faire... dossier par dossier, à partir de la parole des victimes. Et c'est ce qui commence à se faire, mais on le voit bien qu'il y a un chemin qui est très important. Protection des victimes. Alors, celle qui est arrivée, c'est la protection des victimes d'agressions sexuelles. Donc, il faut rappeler que l'origine de l'agression sexuelle est toujours un abus de pouvoir. Abus de pouvoir du clerc sur une personne, mineure ou majeure. Est-ce que on peut parler aujourd'hui d'une réelle protection de la sphère civile à l'égard de ces personnes agressées au sein de l'institution catholique? Les collectifs de victimes posent sérieusement la question, notamment quand la question de la réparation du préjudice subi est organisée par l'Église catholique elle-même et que l'État s'estime ne pas devoir intervenir dans ce processus de réparation. Donc là, on voit bien que la protection, elle est toute relative. Je prends mon cas, par exemple, protection des personnes qui choisissent de quitter cette institution et de se reconvertir socialement, professionnellement. Bon, bah, là, on a un sujet. Hein, et en 1912, le juge de la Cour cassation a estimé que le statut de clerc était une exclusion du contrat de travail de fait. Il va peut-être falloir qu'on revienne sur cette question pour que le clerc soit protégé le jour où, de manière libre et consciente, il a choisi de changer de statut. La question de l'homosexualité, voilà, un clerc homosexuel contraint à l'anonymat total sur sa vie homosexuelle au sein de l'institution, est-ce que c'est pas contraire à un droit fondamental de l'être humain de pouvoir disposer comme il l'entend de son désir personnel? Donc là, ces êtres-là que je rencontre, que je vois, ils ne sont pas protégés par l'État français. Ils me disent, bah ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de rester dans cette institution, je ne peux pas la quitter. Donc, on a un État qui, sous couvert de la séparation des sphères et des pouvoirs, en vient finalement à ne pas être protecteur de citoyens. Alors, dans la répartition des pouvoirs au sein des démocraties, la protection des citoyens, c'est le juge, mais c'est aussi le législateur et c'est aussi l'exécutif. Donc, moi, quand j'ai entendu la commission parlementaire post-SIAZ lors de l'audition de Jean-Marc Sauvé à l'Assemblée nationale, dire, y compris dans les rangs les moins cléricaux politiquement en France, attention, il faut surtout pas toucher à la question de la responsabilité civile de l'évêque. Et c'est bien la question quand même qui s'est posée sur certains cas. Quand un évêque est au courant des pratiques déviantes des clercs qui sont en son sein. Et tout ça est aussi interconnecté, parce qu'un clerc non salarié est un clerc en situation, on va dire, libérale au sein d'une institution, et donc quelque part, l'évêque n'a pas de regard sûr totalement, quoi. Et donc, il va dire, ah ben oui, mais moi... Allez voir vous la justice, hein, mais moi je peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc on a vraiment, pour moi, ce qui doit bouger, et on ne peut pas se réfugier derrière
une séparation des sphères. L'État doit être protecteur des citoyens français. Et il doit protéger les citoyens français des pratiques déviantes liées à un système institutionnel qui les permettent et qui ne garantissent pas la protection interne des fidèles. À un moment donné, l'État doit intervenir. Et donc, on ne peut pas rester on ne peut pas rester en l'État. Alors, il faut qu'on interpelle, il faut. Mais bon, en fait, on sait bien que le politique commence à bouger quand ça concerne un certain nombre de personnes. Et donc, il faut qu'il y ait un peu un rassemblement des collectifs de victimes, une organisation aussi, voilà, pour qu'on puisse faire bouger cette exterritorialité, parce que c'est de ça dont on parle finalement, c'est une forme d'exterritorialité de l'Église par rapport au droit. Sur un certain nombre de choses. On va se réfugier derrière le droit canonique et on se sépare de la protection de tout citoyen. Aujourd'hui, par exemple, on a une autre question, c'est les laïcs en mission ecclésiale au sein de l'Église. Le contrat de travail de ces laïcs en mission ecclésiale est lié à la lettre de mission qu'ils reçoivent de l'évêque. Le jour où cette lettre de mission est modifiée, supprimée, etc., le contrat de travail s'arrête. Et là, il faut le savoir quand même, hein, l'Église est une des meilleures clientes des autorités, des juridictions prix du mal en France, hein, parce que, à cause de cela notamment. Mais quand je vous en parlais, je me dis aussi évidemment que c'est vrai que l'Église a tout fait pour verrouiller sa propre responsabilité. Je veux dire, elle a toujours estimé évidemment qu'elle n'avait pas à rendre des comptes à la société civile et aux juridictions civiles. Et donc elle s'est organisée évidemment en interne et tout le droit canon finalement est régi pour régler les problèmes, ce compris les problèmes les plus graves, les problèmes criminels, les abus sexuels sur mineurs. Elle a fait en sorte que tout ça puisse effectivement se régler en interne. Et peut-être que l'emprise et l'omerta est rendue d'autant plus possible et facile que, notamment, le prêtre pédocriminel, par exemple, peut se décharger simplement de son péché ou de sa conscience dans le cas de la confession et qui sera effectivement garanti d'une impunité. Et donc, tout ça éventuellement se réglera en interne. On a le juge ecclésiastique et éventuellement, si un prêtre est déviant et que justement, précisément, ça commence à faire du bruit et que la réputation de l'Église en prend un coup, on va simplement le déplacer ailleurs. Donc là aussi, quelque part, on voit bien que c'est un système extrêmement rigide, mais en même temps extrêmement efficace, qui fait en sorte que on fait comprendre aussi à la société civile qu'elle n'a pas à intervenir dans la sphère du religieux. Et c'est là que tu dis, à un moment donné, de fait, ce système finalement d'impunité doit cesser, parce que n'importe quelle situation lambda serait évidemment susceptible de la justice civile, de la justice pénale, de la prison. Et quand il s'agit effectivement du clergé, là, subitement, il y a deux poids, deux mesures. En démocratie, c'est plus possible. C'est ça, et même à l'intérieur de l'institution, on voit bien, par exemple, prenons les pratiques du droit du travail, quoi. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre il y a un certain nombre de pratiques qui seraient totalement inacceptées au sein des entreprises privées, au sein des associations en France et qu'on accepte de la part de l'Église catholique. Donc il y a quelque chose qui devient cette extraterritorialité de l'Église par rapport au droit français devient de plus en plus inacceptable que un certain nombre de personnes se découvrent au fur et à mesure autorisées, parce qu'il y en a qui commencent à parler, à casser cette sorte de rupture silencieuse finalement qui est organisée parce que voilà, prenons le cas des clercs qui quittent l'institution, bah jusqu'à présent ils quittaient silencieusement, voire honteux d'avoir soi-disant rompu l'engagement qu'ils avaient pris et donc peu à peu ça se fissure parce qu'il y a des gens qui prennent la parole.
Mais comme tu le disais, hein, l'Église catholique a tout fait pour qu'elle préserve justement le règlement des litiges à l'intérieur de l'institution. Je reprends cette question du quand s'est posée la question du contrat de travail, par exemple, du clerc. L'Église catholique a dit que la cause de l'engagement d'une personne dans l'Église n'est pas la recherche d'une rémunération, mais sa foi. Et alors, sa foi, on voit bien à quel point c'est un principe totalement manipulable. C'est-à-dire que c'est au nom de ma foi que je me suis engagé dans l'Église, et donc je ne peux prétendre à aucune protection et aucun droit social, puisque c'est au nom de ma foi que je me suis engagé. Voilà, soyons sérieux, quoi. C'est-à-dire, et au nom de ma foi, à l'âge de 21 ans, quand même. Donc, on voit bien à quel point ceci est un principe totalement manipulable. Et pourtant, c'est là-dessus que se réfugie aujourd'hui l'Église pour dire qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre des clercs et des évêques au sein de l'Église. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on se réfugie pour dire, mais ils n'ont aucun droit social à réclamer le jour où ils vous disent que, au nom non plus de leur foi, mais de leur conscience humaine, ils décident de passer à autre chose. C'est très compliqué, effectivement, Marc, tu mets là sur le doigt quelque chose de très compliqué, à savoir quand une personne, évidemment, pense, entre guillemets, avoir une vocation, et puis qu'elle se sent effectivement abusée et qu'elle sort de cette vocation. La question, évidemment, c'est de pouvoir se dire, mais finalement, qui m'a appelé dans l'histoire? Est-ce que je me suis fait abuser ou bien est-ce que Dieu m'a appelé? Si Dieu m'a appelé, c'était effectivement une question de foi. Et donc, quelque part, je reste un petit peu dans cette logique de dire, ben, c'est Dieu qui m'a appelé, donc quelque part, qu'est-ce que j'ai à réclamer dans la société civile que j'ai précisément quittée parce que j'avais une vocation religieuse? Donc c'est un sacré dilemme aussi à un moment donné. Et il faut quelque part, j'ai envie de dire mentalement, se positionner et remettre les choses à plat pour dire finalement, j'ai des droits aussi en société civile, même si je quitte effectivement la sphère religieuse. Mais aussi d'où l'importance pour que la parole de la victime puisse être prise en compte, c'est de s'organiser aussi quelque part en termes de collectif, parce qu'on voit bien, on le disait en off, que finalement, il y a le pouvoir religieux, parce que bon, de nouveau, sur le plan spirituel, on te dirait qu'il existe au service d'eux, mais en réalité, on voit bien qu'elle est évidemment, que c'est un pouvoir et que ce pouvoir, elle veut le garder, et que la mise en question du côté extrêmement complexe, d'où la nécessité effectivement de s'organiser en termes de collectif. Et je pense notamment à cette action qui avait été extrêmement, je dirais, coup de poing, mais on voit bien toute la difficulté de remettre en cause la responsabilité de l'État. C'était évidemment quand les victimes de prêtres catholiques pédocriminels avaient introduit une action jusque dans la Cour des droits de l'homme qui a débouté les victimes par un arrêt du 12 octobre 2021, estimant précisément que l'État avait le bénéfice de l'immunité comme n'importe quel État étranger. Donc là, on voit bien que essayer d'atteindre, je dirais, la tête même, c'est-à-dire ce qui permet les abus de manière systémique pour le coup, donc plus simplement une action contre tel ou tel prêtre, mais essayer de rendre responsable le Vatican lui-même qui permet de par son omerta de laisser les abus se perpétrer, on voit que toute la difficulté de ce type d'action. Oui, c'est une action qui est très compliquée, d'autant que l'Église continue de savoir protéger son privilège. Hein. Voilà, récemment, par exemple, on a vu fleurir des services politiques dans les diocèses, dans un certain nombre de diocèses français. Donc, le diocèse de Paris a commencé sous Lustiger dans les années 90, il me semble, à mettre en place des services politiques. Avec un aumônier de l'Assemblée nationale très présent, hein, parce que là aussi, quand même, il faut savoir qu'un aumônier d'Assemblée nationale, il reçoit chaque jour des députés parlementaires dans son service politique. D'autres diocèses ont commencé à le faire, diocèse de Nanterre, diocèse de Versailles, et on voit bien que ce sont des diocèses où le personnel politique influent voilà, est passé par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre français a établi une communication régulière avec des autorités de l'Église catholique.
et pas simplement sur des questions de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on vient faire venir, on vient faire venir dans des formes de think tank ou dans des conférences du personnel politique sur pour comme on disait tout à l'heure sur les questions de fin de vie et autres hein. Et donc avec cette espèce de toujours de voilà, l'Église catholique va vous donner la juste interprétation. Par exemple, on a des conférences, voilà, j'en vois passer sur la devise républicaine. Voilà. On va vous dire ce qu'est la liberté, l'égalité, la fraternité selon les principes et l'anthropologie chrétienne, parce que finalement, cette devise, elle est née de ces principes et de cette anthropologie chrétienne. Il faut savoir que voilà que l'Église sait très très bien parler avec le monde politique en lui disant, voilà comment il faut comprendre la vie de la cité, voilà comment il faut comprendre, voilà, en étant toujours en essayant d'être la matrice finalement de la vie de la société. Donc, comment s'organiser quand, en effet, l'institution est si bien organisée? Je pense d'abord qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que quand il y a un pouvoir, eh ben, il est bon que, il y ait des contre-pouvoirs organisés. Voilà, et alors, l'action juridique est celle qui a été choisie. On vient de parler de cet arrêt de la Cour pénale internationale. Voilà, il faut continuer, il faut insister, il faut continuer d'un point de vue du droit social et prud'homal. Il faut continuer sur la question de la réparation des préjudices. Pourquoi est-ce que la réparation des préjudices doit-elle être prise en charge par des organes qui sont contrôlés par l'institution d'où viennent les agresseurs? Donc ça, c'est plus possible. Il faut organiser un préjudice totalement indépendant. Voilà, donc il s'agit de vraiment de s'organiser. Alors, voilà, les leviers sont continus d'être des leviers juridiques et il faut continuer ainsi, mais ils sont aussi des leviers politiques et en sensibilisant aussi, je pense, le politique à cette extraterritorialité et ses préjudices et ses conséquences sur des citoyens français et sur la protection des citoyens français. La première mission de l'exécutif, c'est de protéger les citoyens membres de la communauté nationale. Oui, mais c'est vrai, comme tu le disais aussi, c'est que l'immigration religieuse est quand même très, très prégnante. On voit bien notamment, évidemment, le pape qui se déplace de par le monde et qui, chaque fois, évidemment, souhaite évangéliser et précisément aussi, j'ai envie de dire, évangéliser les périphéries. C'est une belle façon aussi de mettre la main, évidemment, sur les personnes qui n'ont strictement rien demandé, soi-disant qu'elles sont exclues de certains droits et que l'Église, elle, va quelque part réhabiliter leur dignité humaine. Et on voit aussi, évidemment, que le pouvoir civil, le pouvoir religieux est d'autant plus mêlé que quelque part au sein du pouvoir civil, évidemment, il y a des membres religieux éminents de communautés qui ont pignon évidemment sur rue. On prend notamment l'Opus Dei qui recrute évidemment parmi les personnes de pouvoir, les personnes extrêmement intelligentes qui ont du coup, je dirais, une foi extrêmement rigide avec une doctrine extrêmement conservatrice et qui vont promouvoir évidemment des valeurs qui vont à l'encontre de la liberté de conscience de chacun, que ce soit évidemment en termes dans tous les débats éthiques, précisément l'avortement, l'euthanasie, etc. Donc là, c'est compliqué de faire en sorte que les personnes qui ont des convictions religieuses de cet ordre-là ne puissent pas effectivement être dans des lieux de pouvoir au niveau civil. Donc là, il y a un mélange un peu inextricable aussi. Oui, alors c'est pour ça que je disais ce rapprochement de tout ce mouvement promoteur de la liberté de conscience. Et voilà, je pense au mouvement féministe, je pense au mouvement de protection des droits de l'enfant, je pense
à tous ces mouvements qui visent. Voilà, je pense qu'on. Nos sociétés ont peur d'entrer dans un nouveau paradigme, finalement, sociétal, qui est cette conscience d'un individu libre et conscient de ses choix et de trouver la forme politique appropriée à cet individu libre et conscient. Sans que des organes de pensée voilà, religieuse puissent venir influencer la manière dont on organise cette liberté de conscience. Donc, c'est vrai que y a une forme de passage. Le paradoxe veut que ces institutions n'ont jamais été aussi fragiles d'un point de vue du nombre de leurs adhérents et pourtant conservent un pouvoir d'influence politique majeur. Alors, c'est ce paradoxe qu'il faudrait aller interroger et voilà, et se dire que, bah, mais parce que pourquoi? Parce qu'il y a des siècles d'expertise. Du contrôle du pouvoir. Et oui, on sait placer les bonnes personnes. À la suite des services politiques dans les diocèses, maintenant il y a une nouvelle tendance qui s'est mise en place, c'est des services de communication, c'est-à-dire de services de relations aux médias. Bah, voilà, c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il fallait aussi être présent auprès des milieux journalistiques, hein. On en parle beaucoup en ce moment avec toute la planète Bolloré, où on a un cours de catéchisme toutes les semaines sur une chaîne nationale quand même. Donc c'est quand même intéressant. Donc on C'est voit oui. bien que cette stratégie d'entrisme dans les médias, elle commence à bien fonctionner. Ouais. Mais un autre aspect en fait que je songe, Marc, en parlant de cet échange, c'est que quelque part, ce qui rend aussi possible l'emprise, c'est que il y a un système clé sur porte qui est proposé par la religion, ici on parle en particulier de la religion catholique. Mais le problème, c'est que quelque part, à l'inverse, peut-être que notre système de laïcité, en tout cas en France, sur le plan spirituel, ne propose peut-être pas grand-chose et que du coup, évidemment, renoncer à une croyance religieuse qui nous donne un sens à la vie, à la mort et l'espérance d'une autre vie, le gâchant pour des personnes effectivement qui sont en très grande souffrance, c'est quand même évidemment une espérance auquel on a pas forcément envie de renoncer, donc c'est une sorte de planche de salut pour le coup. Et donc l'idée, ce serait peut-être aussi à l'inverse, de proposer autre chose qui permette aussi de se construire humainement et de trouver un sens à la vie en dehors de Tout à la fait. religion. Oui, il y a deux choses, je crois, dans ce que tu dis. Il y a à la fois les lois de séparation de l'État de 1905 qui informent, on va dire, ces relations entre la sphère civile et la sphère religieuse. Elles ont été quand même dominées déjà à l'époque par l'Église catholique. C'est-à-dire que la compréhension de cette séparation et la mise en œuvre de cette séparation a été influencé par avant tout par la présence dominante de l'Église catholique. Alors et on n'a jamais remis en cause ça. Si bien que par exemple aujourd'hui, par exemple même sur le statut des si on transcrit ça sur le statut social des imams, un imam il peut être salarié d'une association cultuelle, bon, mais une fois que cette association cultuelle est reconnue sous le régime de la loi de 1905, il sort de la sphère du contrat de travail, parce que l'Église catholique a imposé l'exclusion du contrat de travail. Voilà. C'est un petit exemple que je donne pour montrer à quel point l'Église catholique a influencé ce régime de séparation, qu'on ne remet pas en cause, et on est en 2024, et bien sûr, les politiques ont une peur folle de remettre en cause ce régime voilà, à cause de la présence d'autres religions. Mais si on allait plus loin,
Si on disait en effet ce qui doit on va dire articuler la sphère du sens et la sphère du politique, c'est pas avant tout les grandes religions instituées, mais les grands, enfin voilà, les courants de sens et que l'on peut donner à la vie, et pas simplement on va discuter voilà, avec ceux qui sont institués depuis des siècles et qui continuent de dominer malgré leur poids tout relatif en termes de représentation des individus. Il y a vraiment il y a à reposer, hein, le débat de cette articulation entre la sphère spirituelle au sens large et la sphère des décisions politiques. Voilà. Alors, certes, les comités d'éthique se sont un peu élargis en termes de représentativité, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin et ne pas faire comme si l'Église catholique était l'organe dominant, on va dire, de dialogue dès qu'il y a une question éthique en France. Il est aujourd'hui, d'un point de vue purement si vous devez, sociologique, il est minoritaire. Donc je ne vois pas pourquoi il se considère et on le considère comme un interlocuteur majoritaire. Et donc là, il y a un problème. Oui, mais c'est ce qu'on appelle les minorités agissantes, et c'est vrai que parfois elles parlent tellement de bruit que de fait c'est difficile de les ignorer qu'on les prend en considération, peut-être justement pour les calmer un petit peu. Mais tu sais, toi comme moi, Marc, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, quelque part, on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on vit, même si on sent qu'éventuellement c'est un peu bancal, mais en même temps, si on ne me propose rien d'autre, se déconditionner, se déformater, être quelque part libre et user de sa liberté de conscience pour le coup de penser et de vivre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc de nouveau, si il n'y a pas autre chose qui est proposée en dehors de ce que l'on a connu, en dehors de cette colonne vertébrale que l'on s'est fabriquée ou qui nous a été donnée depuis la naissance, c'est extrêmement compliqué en fait de commencer, je dirais, à penser et à vivre par soi-même. On a besoin quelque part peut-être d'autres référents, d'une spiritualité qui nous permettent de nouveau de donner ce sens à la vie qui était censé nous donner cette religion clé sur porte. Donc, comment toi, quelque part, tu as fait, et peut-être que ta propre histoire peut aussi justement parler de manière, entre guillemets, plus collective, c'est-à-dire une histoire singulière, c'est une histoire peut-être plus universelle aussi, parce qu'on se rend bien compte que le parcours des uns et des autres, quand il y a des emprises, ça passe effectivement par les mêmes remises en question et par les mêmes accroches qui permettent de nouveau de retrouver un sens et de se dire à un moment donné, ben, je pensais être totalement libre, je me rends compte que j'étais sous emprise, et ça, on s'en rend compte quelque part que quand on commence effectivement à sortir de l'emprise, et comment du coup en sortons, et qu'est-ce qu'on met en place pour se dire, mais en réalité, je peux tenir sur mes deux pieds par moi-même, sans ce système de pensée qui m'avait été donné. Alors là, voilà, on touche à un problème de fond qui est aussi un problème, une question d'éducation. Voilà, un rapport critique à ce que j'ai reçu, un rapport critique à ce qui m'a été transmis. Hein, comment est-ce que notre éducation, à la fois personnelle, mais aussi peut-être les grands lieux d'éducation, d'instruction, encouragent ce rapport critique à ce qui est reçu. Voilà, moi, quelque part, je me suis dit, parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu, qui ont craquelé, que par exemple, voilà, quand j'ai compris que celui qui m'avait dit il faut que tu te conformes à telle règle, à tel dogme, à tel machin, etc. Me cachait en fait lui-même une sorte de d'incohérence schizophrène entre ce qu'il prêchait et ce qu'il vivait. Bah, j'ai commencé moi à m'interroger
Et alors personnellement, voilà, je suis rentré dans des lectures, dans des choses qui m'ont fait réfléchir, aussi quelques grandes figures justement de ceux qui ont déconstruit le récit, la manière dont il a été constitué, voilà, m'ont influencé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on permet à un individu de garder cette distance critique par rapport à ce dans quoi il met ses convictions. Et donc, oui, alors c'est une forme de dialogue permanent. Il faut aussi que les il faudrait certainement que notre vie sociale soit organisée de telle manière à ce que il y ait aussi un dialogue entre les traditions de pensée et les traditions de sens. Voilà, malheureusement, on est dans un monde très très communautariste, hein, qui encourage l'enfermement communautaire. Il y a un gros travail de lien, voilà, avec les gens les plus éclairés, les plus disponibles au dialogue les uns avec les autres, dans chaque tradition religieuse, de pensée, de sens. Ne pas laisser cet enfermement communautaire se faire. Alors là, je suis en train de dire quelque chose qui, malheureusement, j'ai l'impression que la marche de l'histoire va dans l'autre sens, mais comme je suis assez optimiste dans le fond, je crois que voilà, nous sommes faits pour, nous sommes des êtres en recherche de ce qui fait sens, et pour maintenir cette recherche de ce qui fait sens, il faut toujours avoir ce regard critique sur. Moi, j'ai fait un gros travail de psychogénéalogie, par exemple, personnellement. J'ai essayé d'interroger dans mon histoire personnelle et l'histoire de mes ancêtres pourquoi il y avait cette trace si importante de l'Église catholique. Et plus je la fais, plus ça me rend libre par rapport à ça, parce que j'ose regarder mon passé, non pas pour ni par nostalgie, ni par révolte par rapport à ce passé, mais de dire voilà d'où je viens. Et je suis OK avec ça. Et maintenant, je peux avancer sereinement, librement, avec ce que je suis et ce que je dois être. C'est-à-dire, ne permettre à ce qu'un individu ne soit jamais assujetti, mais puisse toujours être sujet, conscient de ce qu'il, d'où il vient, de ce qu'il est, des relations qui constituent son existence, de ce vers quoi il veut aller. En fait, aider un individu à rester autonome dans le sens et la direction qu'il donne à sa vie. Et alors là, voilà, je pense qu'il y a plusieurs lieux où ça peut se faire, en tout cas où ça peut s'encourager, quoi. Je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe, à ce que font ces institutions avec des adolescents de 18, de 15 à, de 15 à 25 ans. Parce que voilà, vous n'avez pas le droit de tout sur un jeune qui est en construction. Et donc, si vous venez intervenir à un moment où sa conscience libre se constitue en lui disant: Ah ben nous, on a la solution pour toi, on sait ce qui va donner sens à ta vie, on sait très bien là où il faut que tu ailles, etc. Voilà, c'est d'ailleurs, l'Église catholique, là aussi, a très bien compris ça, quand ils mettent des forces de jeunes prêtres, bien, voilà, qu'on voit sur les réseaux sociaux très, très présents. Bien sûr, ils s'occupent pas des mamies de 60 ans, hein, ces jeunes prêtres, hein. Ils s'occupent des jeunes de 17 à 22 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils Ouais. construisent? Et il faut parler ces jeunes sur le réseau, et il leur donne une certaine aura, une certaine reconnaissance. Et ces jeunes, évidemment, quelque part tout naïfs, viennent parler d'un idéal complètement éthéré dont ils n'ont absolument en réalité aucune prise avec le réel. Et donc, quelque part, c'est ça qui est fondamental pour moi, en fait, Marc, c'est que
Parce que foncièrement, on a tous envie, malgré les couches successives qui ont été mises pour peut-être étouffer ce désir, mais au fond du fond, on a tous envie en fait de vivre libre. On a peur de cette autonomie parce qu'effectivement, ça vient parfois remettre en cause la manière dont on a fonctionné jusqu'alors, parce qu'on a fonctionné jusqu'alors parce que le système nous l'imposait. Mais dans le fond, à un moment donné, comme tu l'exprimes très bien, ça commence à craquer. Et quand ça commence à craquer et qu'on recommence du coup à se faire confiance, on se dit mais cette liberté, j'y ai goûté un petit peu. Et de plus en plus, ça me parle, et de plus en plus, ça m'épanouit, ça fait sens, ça fait que je peux aussi être en lien de manière beaucoup plus profonde avec moi-même, et du coup, être de plus en plus profondément en lien avec les autres et tous les autres, c'est-à-dire indépendamment de leurs convictions, indépendamment de leur passé, de leur histoire. Et donc là, on n'est plus en train de juger l'homosexuel, la femme adultère, entre guillemets, etc., et on ne se réfère plus à des textes pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. On commence à comprendre que chacun, avec une histoire singulière, est en chemin. Et peut-être que l'humain et le spirituel, il est véritablement là, dégagé précisément des textes, mais il prend corps, je veux dire, il prend cœur dans notre terreau humain. C'est ce qui est effectivement un terreau universel pour le coup. C'est ça, et c'est cette, enfin, moi personnellement, c'est cette conscience-là que j'ai mis du temps à vivre, et c'est celle que je vis aujourd'hui. Et c'est parfois les gens me disent, mais tu vas plus à la messe, tu voilà, t'as été prêtre pendant 17 ans, tu pratiques plus, Un mécréant. et j'ai envie de leur dire, mais la vie spirituelle, je l'ai pleinement trouvée, c'est-à-dire que enfin, elle est encore à approfondir, bien sûr, mais je l'ai trouvée dans cette conscience de qui je suis, d'où je viens et quelles sont les relations qui constituent ma vie aujourd'hui, quelle est ma responsabilité à l'égard de ceux qui m'entourent, du bien commun, de ce que je souhaite transmettre. Enfin, c'est je n'ai plus à avoir un rapport infantile à une institution qui me mâche tout et qui me dit voilà comment est-ce que tu dois te comporter, voilà ce que tu dois penser, voilà ce que tu dois. Non, je peux. Les gens me disent, est-ce que tu lis la Bible? Bah ouais, je peux aller lire la Bible, mais je peux aller la lire avec cette conscience de me dire, mais qui a écrit ça? Pourquoi? Quand? Comment? Dans le but de quoi, etc. Je peux enfin certainement la lire avec ce regard critique, justement, sur. C'est pas un livre qui est descendu du ciel au 1er siècle. Et donc, et c'est vrai que c'est un lent travail, mais qui sont aujourd'hui, où sont les lieux où on aide un individu à lui dire, mais le sens de ta vie t'appartient, il t'appartient, et ne te laisse pas ne te le laisse pas confisquer par des gens qui vont le dire à ta place, et pour cela garde toujours, voilà, cet espace critique avec ceux qui prétendent te dire ce sens. Et voilà, et c'est ça qui est spirituel, parce que si on reprend l'étymologie finalement du spiritus, c'est ce qui donne de l'élan, c'est ce qui donne d'aller en avant, c'est ce qui donne le désir d'avancer. Or, je ne suis pas sûr que l'Église catholique aujourd'hui souhaite donner de l'élan plutôt que de maintenir sous contrôle. Et donc, je dirais que la spiritualité aujourd'hui,
Elle est certainement à trouver en dehors de d'organes de contrôle. Et aujourd'hui et demain, j'oserais dire, parce que. Oui, mais c'est vrai que comme en fait, on se rend compte, toi et moi et d'autres aussi, évidemment, que l'Église parle beaucoup d'amour de Dieu, de l'amour en général, de la manière dont l'amour doit se concevoir, et en réalité, tout ça sont des concepts qu'elle manie pour de fait dire la manière dont l'amour devrait se vivre et que tout qui ne vit pas l'amour tel que l'Église le proclame, en fait, ne vit pas l'amour tout court, ce qui est une aberration, et en plus une terrible hypocrisie, parce que quand on sait effectivement, de nouveau, ce que je disais également tout à l'heure, ce que l'Église prêche, et la manière dont en interne elle vit les choses, notamment évidemment par rapport justement à l'homosexualité en son sein, pour revenir toujours à ce livre Sodoma, mais ça a quand même été un pavé dans la mare, ce livre, hein, et quand on sait aussi notamment au Vatican que les sites pornographiques sont extrêmement consultés, on se dit de nouveau, en matière de sexualité, l'Église n'a absolument aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup parce que quelque part, s'il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas en nombre, même si l'Église, quelque part, est de plus en plus minoritaire, elle est agissante. Et du coup, c'est intéressant d'avoir aussi une sorte de contre-pouvoir. Mais ça passe aussi justement par des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire par des personnes qui sont capables de poser les choses, de revenir au réel et d'aller en porte-à-faux avec des concepts qui ont pignon sur rue, puisque l'Église elle-même a pignon sur rue. Et parmi ceux-là, en fait, moi, j'aimais beaucoup. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, qui était François Deveau, parce que précisément, à un moment donné, il s'est rendu compte que seul, on pouvait rien. Il avait créé ce collectif avec un autre, qui était la Parole Libérée. Et précisément, je voudrais reprendre ces mots parce que j'aimais beaucoup ce côté un peu clash, mais qui faisait réagir. Et on était obligé de prendre parti quelque part, et de ne pas rester entre deux chaises. Mais donc, au sujet du scandale de la pédocriminalité dans l'Église, il disait notamment ceci. S'il y a bien une définition du pharisianisme, je pense que l'Église en est l'incarnation. On parle de couverture de crimes dans des proportions abyssales. Il n'y a pas un pays dans lequel l'Église catholique est implantée qui n'est pas concerné par des faits de pédophilie qui sont abjects. On a détruit des documents pour cacher des preuves de gamins qui ont été violés. Quelle autre institution a fait ça? Même dans la mafia, il y a un code éthique. Et de poursuivre, effectivement, on peut se demander comment une institution qui a des positions plutôt conservatrices sur la sexualité, sur le péché et les pensées impures, qui excommunie les divorcés et remariés, peut en même temps avoir couvert des hommes d'église qui ont violé des enfants. C'est ça, et je pense que, alors moi c'est François Deveau, c'est celui qui m'a lancé hein, quelque part, voilà, parce que François à l'époque se posait la question justement de la responsabilité civile hein, de l'évêque. Ça a été quelque chose de très important pour le procès, sur la question du procès à Barberin. Et puis si on regarde le jugement en première instance, hein, on a un juge qui, pour la première fois, a quand même insisté sur une responsabilité au moins morale de l'évêque par rapport à la non-dénonciation des faits. Et oui, François, il parle cash. Et on a besoin de dire les faits, en fait. Parce que tant que les faits ne sont pas rendus visibles, j'oserais dire, les brebis sont aveugles. Et tant que les brebis sont aveugles, les mauvais bergers peuvent les conduire où ils le souhaitent, pour reprendre l'image évangélique. Et donc, il faut ouvrir les yeux des brebis en posant des faits qu'on ne veut pas voir, quoi. Et donc, je pense que voilà, François a participé de cela. Il faut continuer. Et je veux dire, il n'y a pas une semaine sans qu'on ne puisse pas, voilà, la Belgique, on peut en parler en ce moment. On parle de ce prêtre qui a vendu des enfants à des familles. Et ça, moi, c'est un sujet qui me touche personnellement beaucoup. Ouais, j'aimerais qu'on en touche un mot, Marc, parce que quelque part, effectivement, il faut à un moment donné parler vrai, quoi. Je veux dire, j'ai envie de dire avec un langage où on rejoint le réel, c'est-à-dire qu'un crime est un crime C'est et ça.
C'est d'abord un crime, que ce soit un péché pour, pour un catholique, c'est son histoire à lui qui le règle en conscience, mais c'est un crime qui relève de la justice civile. Et pour dire des choses, c'est aussi sortir justement de la confusion que ne cesse de générer l'Église avec des concepts de nouveau un peu tordus. Mais là, on parle effectivement du scandale de la pédocriminalité du clergé ou d'une partie du clergé. Tu as vécu toi aussi un abus en termes d'adoption illégale. Tu veux nous en toucher un Ouais. mot peut-être aussi? Oui, bah, je suis toujours en recherche dessus, mais voilà, donc je suis le petit-fils d'une religieuse. Ma mère a été conçue par une religieuse, et cet enfant, ma mère en l'occurrence, a été le fruit d'une transaction financière avec une famille. Ou même, je vais encore plus loin, parce que même la religieuse a dû verser elle-même, pour expier son péché, une somme d'argent. Donc ça va loin, quoi. C'est-à-dire que donc oui, c'est dans mon ADN. Donc c'est quelque chose que, voilà, j'en suis encore à des phases où, là, j'espère pouvoir accéder aux archives de la congrégation religieuse qui a opéré cette transaction. Mais c'est pas un cas rare, malheureusement. Et on voit bien, et ça s'inscrit dans les, voilà, récemment, on en a parlé avec ma mère pour la première fois, et voilà, donc c'est très vif encore, mais voilà, c'est des vies. Et c'est des vies. C'est ma grand-mère religieuse qui, jusqu'à la fin de sa vie, a entendu la frappe de la machine à écrire au moment où on lui demandait d'abandonner son enfant. C'est les couverts qu'elle mettait dans les couches qu'elle avait gardées de ma mère. Enfin, là aussi, quoi, c'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité dont on est, à un moment donné, l'héritier. Et donc, voilà. Et moi, c'est encore, c'est des images que je vais transporter, et que, le jour où je suis dans le bureau de mon évêque, où il me signifie cette suspense ad divinis, alors que moi, je suis en train de lui parler de déviance de prêtre au sein de mon propre diocèse, et je lui dis, mais on se comprend pas là, moi vous êtes en train de me foutre dehors avec un jugement canonique, le grade le moins en dessous de l'excommunication, parce que je parle d'une histoire d'amour avec celle avec qui je vis aujourd'hui. Dans un média podcast de manière anonyme, et dont on parle pas le même langage, quoi. Et ça se finit comme ça. C'est-à-dire, je sors de l'évêché, la porte se ferme, et là, je me dis, mais je vis dans quel monde là? Mais ce jour-là, le jour où la porte se ferme, je ne suis plus pris dans ce schéma institutionnel, avec son droit canonique, avec sa propre excuse des crimes commis en son sein au nom du péché de l'homme, avec tout son arsenal dogmatique. Je ne suis plus du tout lié à ça. Et là, je reprends ma liberté. Et là, je me dis, mais en fait, maintenant, est-ce qu'on a le courage de venir interroger l'Église, non pas à partir de ses propres critères à elle, mais à partir des critères que la société civile s'est constituée pour vivre de manière harmonieuse. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui. Ça veut dire que tu redeviens loyal, mais du coup, par rapport à toi-même, et c'est là que tu te ressens précisément dans tous les sens du terme. Mais on voit aussi combien, Marc, l'Église est extrêmement dure lorsqu'il s'agit effectivement de l'avortement, de l'euthanasie et des choix individuels en termes d'éthique de nouveau, et combien elle peut être
extrêmement laxiste par rapport à d'autres sujets. Donc on en revient à l'emprise et au besoin de pouvoir. Alors que tout ça, en fait, chaque fois, c'est au long de la vie. Moi, je m'étais très, très, très fort intéressé à l'époque à l'affaire Vincent Lambert, qui était vraiment l'histoire d'une très, très longue croisade où l'Église catholique, à son sommet, le pape François s'est exprimé à plusieurs reprises en parlant de culture du déchet. Donc ça va très, très loin, non seulement par rapport à la fin de vie, mais aussi effectivement notamment à l'avortement, donc tous ces sujets éthiques. Et puis l'extrême droite, ils en étaient mêlés aussi. Donc on voit de nouveau que une forme de la société civile extrême est effectivement, pour le coup, extrêmement liée à la sphère religieuse et ce, au plus haut niveau. Il y avait notamment ceci que le pape avait exprimé. C'est toujours ça, en fait, le leitmotiv. Et c'est là, à mon sens, que prend aussi part l'emprise par rapport à Vincent Lambert lorsqu'il était finalement décédé le 11 juillet 2019. Le même jour, le pape, les évêques français avaient tenu à prendre la parole. Et notamment, dans un bref communiqué, le pape s'est exprimé en disant ceci: Dieu est l'unique maître de la vie, du début jusqu'à la fin naturelle, et nous avons le devoir de toujours la protéger et de ne pas céder à la culture du déchet. Donc, de nouveau, tu as vraiment le sentiment, et là c'était pour moi extrêmement flagrant, que Vincent Lambert, quelque part, ce qu'il avait vécu, qui était son désir, son besoin, son cheminement, on s'en foutait complètement, c'était pas le problème. C'était une sorte de manipulation, on prenait son cas, on le tirait en exergue, on mettait en exergue, et finalement, Dieu était manipulé, parce que c'est toujours le nom de Dieu que l'on parle, évidemment, de nouveau, et de la parole de Dieu. Et puis, Vincent Lambert lui-même était manipulé. On en faisait un exemple au service d'une doxa, de nouveau, et parler du culture du déchet, sans évidemment mettre au centre le désir de la personne. J'ai envie de dire, quelque part, c'est ignoble. D'autant plus ici que Vincent Lambert n'avait plus la possibilité, précisément, de parler, compte tenu de son état de santé. Donc, de nouveau, on se dit, l'Église est là pour imposer, coûte que coûte, sa façon de penser, et la personne, en fait, elle-même, elle est reléguée, clairement au second plan, quoi. Oui, la personne est reléguée à son plan. Et alors, en fait, c'est une sorte de triptyque. C'est-à-dire, il y a l'Église qui impose sa parole et qui nie totalement le désir individuel. Et elle prend en otage une conscience publique. Donc c'est un jeu de triangulation. Alors, je dirais que ce serait intéressant de voir comment l'emprise finalement joue de ce jeu, de ce jeu-là. C'est-à-dire que moi, ce qui me pose question, c'est toujours la complicité publique par rapport à l'empreneur. C'est-à-dire que l'emprise, elle ne joue pas simplement entre un empreneur et une victime. Elle prend à témoin, elle prend à témoin le groupe social environnant. Et donc là, l'Église est en train, au moment où le pape François dit ces mots, il est en train de prendre à témoin la société. En niant totalement l'existence même et l'existence individuelle et libre d'un individu et en utilisant ce cas particulier pour imposer une doxa. Et ce qui m'interroge toujours, c'est le côté médusé de la foule, quoi, silencieuse, quoi. Et donc, c'est cette sorte de complicité silencieuse de la collectivité, croyante ou non croyante d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, c'est le silence des fidèles, bien souvent. Moi, quand j'étais encore en exercice, j'ai essayé de faire quelques soirées au moment où on a eu les premières révélations de crimes sexuels dans l'Église, puis notamment après l'affaire de l'Arche et des frères Philippe. J'avais organisé une soirée dans ma paroisse, quoi, pour j'oserais dire, pour en parler. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'était le nombre de gens un peu médusés, quoi, par le silence. On a réussi à imposer un silence
par rapport à ses crimes, et c'est là le talent finalement, on pourrait dire, de l'emprise, c'est d'imposer le silence quand y compris des victimes commencent à parler. Et ça, j'avoue que je reste un peu moi-même en réflexion sur ce silence. Alors, bien sûr, quand on est lanceur d'alerte, on en sort, mais on se dit, mais où sont les autres derrière moi, là? Parce que Oui, c'est ça. On voit d'autant mieux les choses et maintenant qu'on en est sorti, et du coup, ça frappe à la figure. On se dit, mais comment c'est possible que quelque part, il y ait tellement de personnes qui, même, comme tu le dis, ne sont pas forcément croyants, mais qui n'ont pas l'air de voir beaucoup de mal, en fait, dans la façon dont l'Église fonctionne. Souvent, on dit non, mais quand même, l'Église, c'est extraordinaire, il y a une civilisation, il y a de magnifiques tableaux, il y a des écrivains, il y a des génies, et donc, quelque part, ça couvre le reste de. Ça couvre quelque part les abus et ça me permet pas de tirer de nouveau les choses au clair. Et en même temps, je me dis, c'est incroyable parce qu'en même temps, on avance et si on veut en revenir, peut-être en terminer par là, par rapport justement à l'origine même de l'emprise, on voit bien que c'était déjà extrêmement compliqué pour l'Église et il a fallu évidemment les médias sociaux pour s'en rendre compte, enfin, en tout cas, pour être obligé de prendre ça en compte. Mais quand on voit que des communautés sont à dérive sectaire, c'est déjà énorme de dire qu'il y a des dérives sectaires dans une communauté. Au départ, c'était simplement des brumes galeuses. Donc là, dérive sectaire, c'est quand même déjà une notion assez, par rapport à une religion, c'est quand même c'est violent, une dérive sectaire dans l'Église. Et puis évidemment, le rapport de Sauvé la science a quand même parlé d'abus systémiques. Là, quelque part, c'était aussi un choc de dire le côté systémique. C'est extrêmement violent aussi. Mais du coup, si on va aller, c'est un petit peu le sens de notre religion, puisque de notre religion, de notre échange. Parce que l'idée, c'est effectivement de dire l'emprise religieuse. Mais moi, je suis encore un peu privé par cette emprise. Je pense que c'est difficile d'en sortir malgré tout, tellement c'est systémique. Mais si on veut effectivement sortir de cette emprise, à un moment donné, tu te dis, peut-être comme Ernest Renan, est-ce que finalement, la religion, ce n'est pas une secte qui a réussi, parce que très souvent, évidemment, on dit hors de l'Église, pas de salut. Hors de l'Église, il n'y a que des hérétiques. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'Église elle-même, évidemment, de nouveau, qui, de son côté dominateur, a dit qui pensait bien, qui pensait mal, et du coup a exclu les autres, excommunié, et puis du coup traité effectivement tout qui ne pensait pas comme elle d'hérétique. Et donc on en vient finalement, quand on parle de l'emprise, j'ai envie de dire systémique de l'Église, avec l'origine qu'on essayait de décanter, on en vient à se dire que finalement la religion est de fait une secte comme une autre, qui devrait être prise comme ça, et qui devrait avoir le même régime qu'une secte, et que la société civile, pour le coup, devrait s'en inquiéter, au même titre qu'elle pourrait s'inquiéter de sectes qui prennent pouvoir sur les consciences et qui amène le cas échéant à des abus sexuels. Oui, alors là, on est sur un sujet super vaste et de fond, parce que voilà, toute la question est celle de la définition hein, qu'on donne de la religion. Et si en effet, si on part du fait que pour relier, il faut exclure, les religions qui réussissent sont celles qui ont réussi à exclure. Et moi, je suis. Comment dire, j'aime beaucoup les travaux de Norbert Alter sur l'innovation. Et qui ont donné beaucoup de travaux, y compris sur les innovations religieuses et comment les innovations religieuses ont réussi en excluant d'autres courants religieux finalement. Et donc on voit bien que le catholicisme il parvient à grandir à partir de l'exclusion du judaïsme notamment. C'est-à-dire qu'il reprend un certain nombre d'attributs de la religion du temple, qui reprend même son idée de centralisme, voilà, le centralisme du temple, mais ça devient le centralisme romain, et qui en fait sa réussite. Donc, en effet, dans ce sens-là, il faut, en tout cas, pour moi, il faut se méfier de tout récit qui prétend à être un récit dominant. Et donc, oui,
Et donc, on peut dire dans ce sens-là que tout récit qui prétend à être dominant est un récit qui est potentiellement et qui est sectaire, parce que le sectaire, c'est ce qui se coupe, ce qui se coupe d'eux. Et donc, et c'est là que tout l'enjeu de l'intervention du politique et de la société civile, c'est de ne pas permettre à ce qu'un pouvoir dominant puisse se poser en exclusion des autres dans la société. Et donc là, il y a une responsabilité politique et sociétale et qui aujourd'hui doit s'accomplir de manière, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière très prosaïque et concrète à partir de cas où on voit les conséquences de cette coupure sectaire qui fait des victimes et qui empêche des individus de déployer leur liberté au sein de la société. Donc, oui, il faut des garde-fous et ces garde-fous ne peuvent pas être que des lanceurs d'alerte. Ces garde-fous doivent être organisés par ceux qui ont la mission de protéger les citoyens d'une communauté politique. Et je crois que c'est pas parce que l'on croit qu'on est dans un monde où on peut vite être alerté de ce qui se passe, etc., ou qu'on aurait dépassé cette époque des dérives. Je crois que malheureusement, les dérives, elles sont plus devant nous que derrière nous. Voilà, parce que plus l'Église est en minorité, plus elle se sectarise. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de signes très inquiétants. Qui montre que ces abus ne sont pas derrière nous. Et donc, la société civile a une mission de contrôle à exercer en permanence. On ne peut pas, au nom d'une séparation des sphères, ne pas contrôler. Donc là, il va falloir trouver une juste articulation entre séparation et contrôle. Oui, on se rend bien compte en parlant que c'est extrêmement complexe. De nouveau, c'est vrai qu'on parle plus facilement maintenant et c'est admis qu'il y a des dérives sectaires dans les communautés mouvements d'église. Il y en a même qui ont d'autres guillemets fermé leurs portes tellement c'était systémique et donc le charisme quelque part était tellement pris à la racine qu'on pouvait plus rien en faire. Mais on se rend compte aussi quelque part que si on veut aller jusqu'au bout, c'est quand même pour ça effectivement qu'on en parle. C'est qu'on peut pas évidemment dissocier subitement les communautés mouvements d'église qui ont tellement été promis sous Vatican II, qui était le fruit, le renouveau de l'Église, et subitement dire, ah ben c'est abusif, donc c'est pas l'Église. À un moment donné, il faut se dire que l'Église a permis aussi à ces communautés de se développer et que quelque part, elle sait ce qui s'y passe en leur sein. On peut pas, quand tout va mal, dire à un moment donné, on n'est pas responsable, parce que là, c'est de nous tirer, entre guillemets, les marrons du feu. Donc, j'en viens de fait à me dire, ces dérives sectaires dans ces communautés, quelque part, elles sont propres aussi à l'Église elle-même. Et les critères des dérives sont connus, c'est notamment le culte de la personnalité. Quand on voit effectivement que le pape est censé être représentant de Dieu, si ça, c'est pas un culte de la personnalité, je sais pas ce que c'est. Et par ailleurs, un autre aspect extrêmement important de l'emprise, c'est évidemment prétendre détenir une vérité absolue. Et l'Église se veut universelle. En termes de doxa et de manière de nouveau de penser. Donc, si ça, c'est pas un abus sur les consciences aussi, je n'en sais que c'est. Donc, de nouveau, quand on met les mots justes, on se dit qu'effectivement, église, communauté, tout ça se tient et l'abus de conscience, il est transversal, quoi, je veux dire. Oui, et puis le systémique est clérical, le clérical est catholique, et voilà, on a un pape François qui nous fait croire qu'on pourrait avoir une église catholique non cléricale. Une église catholique non cléricale, l'église catholique disparaît, quoi. Et donc, il nous fait croire quelque chose aujourd'hui qui, à mon avis, est une belle illusion pour cacher. Finalement, pour assouvir pendant un temps finalement les conséquences visibles de ce cléricalisme, mais c'est la fin de l'Église catholique si on remet en cause le système clérical. Elle s'est fondée là-dessus, elle s'est fondée
sur une substitution à l'idéal clérical du temple qui avait marché pendant un temps, et elle en a repris les attributs. C'est-à-dire, si les évêques n'avaient pas la coiffe des grands prêtres, on pourrait peut-être parler d'une institution non cléricale, mais je vois pas comment on peut faire une église catholique non cléricale. Oui, c'est ça. Là, il faut peut-être en revenir justement à la raison, c'est-à-dire à l'histoire, l'histoire de la religion, et en revenir effectivement à la fondation du christianisme par l'entremise de Constantin. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si Marc, par rapport à notre échange, il y a un aspect éventuellement qui serait encore important d'évoquer maintenant. Ah ben je crois qu'on a fait un tour qui me paraît vraiment important. Écoute, je suis ravi de cet échange parce que voilà, je pense que après c'est un échange aussi à tiroir où on peut, voilà, on peut continuer bien sûr à ouvrir chacun des. Moi, celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le statut du clerc et le statut du clerc par rapport à son régime contractuel. Et voilà, c'est aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été institué comme quelque chose qui paraît normal et qui paraît normal à tout le monde, voilà, peut être interrogé. Donc, c'est celui-là que j'aimerais interroger dans les jours et les mois qui viennent. Donc, voilà. D'accord, merci Marc. Mais je pense que toi comme moi, nous avons pu librement exercer notre liberté de conscience et de parole, du coup, et d'expression. Et peut-être j'en terminerai alors par ces mots. Je te laisserai rebondir si tu le souhaites, mais ces mots de Krishnamurti à propos de Dieu, il était voué à être quelqu'un qui était censé justement être un gourou pour les siens, et qui à un moment donné s'est rendu compte que chacun devait retourner sa liberté de conscience, et qu'il n'avait pas effectivement lui à précisément donner un enseignement auquel chacun serait tenu de croire. Et il dit notamment ceci dans ce livre: l'esprit religieux est radicalement différent de l'esprit de croyance à une religion. L'esprit religieux est psychologiquement affranchi de la culture de la société. Il est également affranchi de toute forme de croyance et n'a nul besoin ni de passer par l'expérience ni de s'exprimer. Or, l'homme, au fil de ses croyances, a créé au cours des siècles un concept auquel il a donné le nom de Dieu. La croyance en ce concept de Dieu lui est devenue nécessaire face à ce constat que la vie est faite de souffrances, d'une infinité de luttes, de conflits, de tourments, avec une étincelle occasionnelle de lumière, de beauté et de joie. C'est peut-être effectivement ce concept de Dieu tel que voulu par les religions qui a permis, peut-être de façon originelle pour le coup, l'emprise dont nous avons essayé de parler. Ouais. Et moi, je dirais que, enfin, celui que je découvre aujourd'hui, hein, enfin, que je vis aujourd'hui, c'est que, en tout cas, l'esprit religieux, spirituel que je vis, c'est un mouvement spontané, et un mouvement spontané d'ouverture à ce qui vient. Et c'est cette espèce d'ouverture permanente à ce qui se donne à nous dans les relations, les événements, et la manière d'y répondre avec à la fois avec responsabilité, liberté, et en même temps ce désir de vouloir être toujours plus en vie, et donc et de ne pas être soumis, quoi. Et donc c'est l'anti quelque part l'antiforme d'une religion du contrôle, quoi. Et donc c'est la il faut se désapproprier de tout ce qui veut nous soumettre, quoi. Et Voilà. Je te remercie, Marc, d'avoir accepté ce nouvel merci à échange toi. qui avait pour but de fait d'aller un peu plus loin que d'ordinaire peut-être. Et donc, ça me semblait intéressant et important. À tout Tout à remercier. fait. Merci beaucoup. Merci Merci. Pascal.